Catherine Marchal est catégorique. Alors qu'elle campe Claire Guinot dans la série Ici tout commence, présente tous les soirs de la semaine sur TF1, il n'est pour l'heure pas question que sa fille Zoé Marchal la rejoigne dans cette fiction. Interrogée par nos confrères de Téléstar sur l'arrivée de sa progéniture, également comédienne, dans le feuilleton de la première chaîne, l'ex d'Olivier Marchal a mis fin aux rumeurs, je n'ai jamais dit ça, et surtout si est-ce Zoé qui ne veut pas du tout. Rire, a-t-elle commencé par préciser. Et l'actrice d'ajouter, d'ailleurs, je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Je ne verrai pas trop l'intérêt, ni pour elle, ni pour moi, a-t-elle estimé auprès du magazine. S'il n'est pas prévu que mère et fille se donnent la réplique dans Ici tout commence, Catherine Marchal ne ferme toutefois pas la porte à une future collaboration avec sa fille. En revanche, nous ne sommes pas contre l'idée de tourner ensemble, un jour, a-t-elle fait savoir. Si elle n'a pas encore eu l'occasion de travailler avec sa mère, Zoé Marchal a déjà collaboré avec son père. En novembre dernier, elle était en effet à l'affiche d'Overdose, un film réalisé par Olivier Marchal, disponible sur Prime Video. Quelques mois plus tôt, sa mère avait partagé une photo de sa fille sur le tournage du long métrage. Telle mère, telle flic, avait-elle écrit, fière que la jeune femme marche dans les pas de ses illustres parents. Supérieur à supérieur à Ici tout commence, zoom sur la vie sentimentale du casting Catherine Marchal, quelles sont ses relations avec son ex, Olivier Marchal? Catherine Marchal a partagé la vie d'Olivier Marchal pendant 20 ans. Ensemble, le couple a eu 4 enfants, Léa, née en 1994, Zoé, née en 1998, qui a quitté le cocon, Ninon, née en 2006 et enfin Basile, née en 2009. Malgré leur séparation, les deux ex sont toujours restés proches. J'ai laissé l'appartement à Catherine et aux enfants, je me suis installé tout près, avait confié le réalisateur de 64 ans, dans les colonnes de Paris Match, en novembre dernier. Et de souligner, nous sommes tous réunis pour les anniversaires et Noël avec les grands-parents maternels des enfants. Il nous arrive même de partir quelques jours en vacances tous ensemble, a-t-il confié. Et la mère de ses enfants de confirmer auprès de Télé Loisirs, on continue à être un couple parental, à travailler ensemble, à bien s'entendre et à bien rigoler. Le réalisateur garde en effet un lien très fort avec son ancienne compagne, Catherine, c'est comme ma sœur, a-t-il affirmé. Crédit photo, best image.